On va maintenant commencer par notre thème donc du jour, à savoir celui de l'imam Ali, sur lui la grâce et la paix. Et on va commencer par se demander comment est-ce que s'est déroulée sa naissance. Est-ce que ça a été un événement miraculeux ou est-ce que ça a été un événement, on va dire, commun à tous les êtres humains qui naissent? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. En fait, effectivement, la naissance de l'imam Ali, sur lui la paix, est une naissance qui est, si on peut dire, un peu quand même extraordinaire. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, on va expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, sa maman s'appelle donc Fatima bint Asad et son papa s'appelle Abu Talib. C'est pour ça qu'on appelle Ali ibn Abi Talib. Donc, en quoi la naissance d'Imam Ali est miracle, enfin, elle a quelque chose de particulier. C'est dans le fait qu'il est né dans l'enceinte de la Kaaba. Donc c'est la seule personne qui a bénéficié de cet honneur. Donc la Kaaba qui se situe actuellement à la Mecque. C'est la Mecque, voilà. Donc en fait, le temple sacré a toujours été reconnu dans l'histoire comme étant un lieu vraiment d'une très grande sacralité, même au temps de l'idolâtrie, au temps de la grande ignorance, et même aussi au temps des peuples d'avant, par exemple... On peut citer des peuples comme les Had et les Thamoud qui ont été détruits, mais qui en fait ils adoraient des idoles, mais qui reconnaissaient la sacralité du lieu. Donc l'imam Ali, donc sa maman, elle faisait donc les circonvolutions, donc le tawaf autour de la Kaaba. Donc pour expliquer aux gens, donc elle faisait les 7 tours. Voilà, en fait, qu'on doit faire. Voilà, elle exactement. Donc l'imam Ali va être donc sa maman, donc en faisant ces tours-là autour de la Kaaba, elle va ressentir les douleurs d'enfantement d'Imam Ali. Et donc, en passant à côté de la Kaaba, la Kaaba va s'ouvrir. Et donc, elle va mettre au monde l'Imam Ali dans cet endroit-là. Donc déjà, l'Imam Ali est né alors que pendant que sa mère, finalement, a été en train d'adorer Dieu. C'est quelque chose quand même qui est assez extraordinaire. Et c'est le prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, qui va donc le premier laver le corps de l'imam Ali, qui va donc faire toutes les cérémonies qu'on connaît vis-à-vis du nouveau-né. Et donc, le premier visage que l'imam Ali va voir, c'est celui du saint prophète. D'ailleurs, il y avait une anecdote, je crois, qui disait que, étant donné que le prophète était le premier à voir l'image de l'imam Ali, sur lui la grâce et la paix, l'inverse sera vrai aussi. Donc effectivement, c'est très vrai. Donc c'est une phrase qui est restée dans l'histoire, qui est la suivante. Le prophète, sur la grâce et la paix, a dit « De même que je te lave à ta naissance, tu me laveras à ma mort. » Et finalement, on s'apercevra que c'était une prédiction qui était vraie, puisque à la mort du saint prophète, c'est l'imam Ali qui va s'occuper de toutes les cérémonies liées donc à la mort. D'accord. Alors ensuite, parce que j'imagine que l'imam Ali, sur lui la paix, a grandi dans le giron du saint prophète, sur lui la grâce et la paix, et a été quasiment, on peut dire, élevé par lui. Alors, est-ce qu'on a des éléments qui nous décrivent comment est-ce que s'est déroulée un petit peu la jeunesse de l'imam Ali à côté du prophète, sur lui la grâce et la paix? En fait, on sait que effectivement, l'imam Ali a été adopté. On peut dire ça comme ça. C'est comme l'enfant adoptif du saint prophète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il était qu'un petit enfant. Et le prophète, il voulait finalement compenser autant que possible toutes les peines que son oncle Abu Talib, c'est-à-dire le père d'Imam Ali, s'était donné en prenant soin de lui et en lui assurant une excellente éducation. C'est-à-dire qu'au début, c'était Abu Talib qui s'occupait du prophète, mais il va par la suite mourir. Alors, ça sera une très grande tristesse pour le saint prophète. Et donc... il va prendre à sa charge le prophète, l'imam Ali, qui sera âgé à ce moment-là il aura 5 ans. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'imam Ali est né en l'an 600 après Jésus-Christ. Et donc, le prophète va s'occuper pleinement donc, de l'imam Ali en 605 après Jésus-Christ pour l'éduquer selon sa propre méthode. D'accord, mais est-ce que le père de l'imam Ali, à savoir Abu Talib, encourageait son fils à aller avec le saint prophète ou est-ce qu'il le décourageait ou est-ce qu'il le laissait juste comme ça? Ben, en fait, il l'encourageait. On peut peut-être rappeler le lien qu'ils ont en fait parce qu'ils sont cousins germains. Exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Abu Talib est l'oncle du prophète
et que l'imam Ali, c'est le cousin du prophète. D'accord ? Et donc, comme on l'a dit, le prophète va l'éduquer. Donc là, finalement, l'imam Ali sera ni plus ni moins que l'éducation du saint prophète. Donc tu nous as expliqué un petit peu comment s'est déroulée sa naissance miraculeuse, donc dans l'enceinte sacrée de la Kaaba à la Mecque. Mais est-ce que ça fait de l'imam Ali le premier musulman ? En fait, il est reconnu dans les traditions authentiques que, parce que c'est vrai la question qui se pose, quel est le premier musulman ? Alors sans parler du prophète, hein, sur voilà, bien sûr. C'est-à-dire quel est le premier musulman en tant que celui qui suit le prophète ? En fait, quand on regarde toutes les traditions qui corroborent, c'est l'imam Ali, sur la paix, qui n'a jamais adoré d'idole, contrairement à d'autres compagnons qui ont d'abord été idolâtres, puis qui se sont convertis à la foi musulmane. L'imam Ali, lui, ne s'est jamais prosterné devant une idole, et c'est pour cela qu'on le gratifie lorsqu'on le nomme, on lui dit qu'Allah ennoblisse sa face. Et donc c'est une formule qu'on utilise simplement pour lui, et personne voilà, d'autre. Simplement pour lui, c'est-à-dire que c'est spécifique à lui. Et donc dans les hadiths, effectivement, c'est lui le premier musulman à avoir suivi le prophète. Et j'ai envie d'aller plus loin, c'est lui le premier à avoir demandé une filiation spirituelle au prophète et qui a reçu une éducation spirituelle vis-à-vis du prophète. D'accord. Donc après, on a vu hein, que le prophète, sur lui la grâce et la paix, aura reçu la révélation et il y aura eu un certain nombre de périodes troubles pour les musulmans, une période d'oppression et de difficulté. C'est à ce moment-là que le prophète, par inspiration de Dieu, bien sûr, prend la décision de quitter la Mecque pour rejoindre Médine où il y avait des soutiens qui pouvaient l'accueillir. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment s'est déroulée cette émigration et quel va être le rôle que va jouer l'imam Ali dans cette émigration ? En fait, effectivement, donc le prophète a vécu une première partie de sa vie à la Mecque. Il sera reconnu dans un premier temps comme étant l'homme de confiance, la personne très respectée par même ses ennemis qui lui confiaient leur dépôt, parce qu'ils savaient qu'ils trouvaient en la personne du saint prophète vraiment une personne de confiance, de juste. Et quand il va proclamer sa prophétie, les choses vont commencer à se gâter. Donc le prophète va lutter, comme on le sait, donc de manière très virulente contre les idoles. Il va donc enlever ce culte-là de l'époque de l'ignorance. Et donc ce qui va lui causer beaucoup d'ennemis. D'accord. Et donc finalement, il va subir une période à la Mecque où il va être vraiment maltraité, il va être vraiment insulté, il va être combattu, etc., etc. Donc il va toujours patienter et il va attendre l'ordre de Dieu qui va lui permettre de fuir, enfin qui va permettre de partir de Médine, de la Mecque plutôt, pour aller à Médine là où il va trouver finalement ses soutiens. Et donc l'ordre va lui être donc communiqué et c'est ce qu'on va appeler l'hégire. L'hégire, c'est le fait de donc partir de la Mecque à Médine et le calendrier musulman va commencer à partir de ce moment-là. Donc nous, on parle en tant que tant d'années après l'hégire. Donc en fait, cette émigration, elle ne s'est pas faite facilement. Il a fallu un grand sacrifice, et en l'occurrence de la part de l'imam Ali, qui va accepter finalement de prendre sa place, donc de prendre la place du prophète dans son lit, de manière à faire croire à ceux qui avaient conspiré contre le prophète, qui voulaient vraiment le tuer, hein, qui vraiment, ça rigolait pas. Et donc il va prendre sa place dans le lit pour donner la possibilité au prophète de partir. On va dire pour prendre un petit peu d'avance voilà. Pour ses futurs poursuivants. Voilà, pour ses poursuivants. Et donc, cet événement est très connu et d'autant plus connu qu'il fait l'objet d'un verset coranique. Parce que l'imam Ali a remplacé le prophète dans son lit et par conséquent, Dieu, par la suite, va informer le prophète de ce très grand acte de sacrifice dont est fait référence un verset à la sourate Baqara, sourate 2, verset 207, parce que Dieu va louer cet acte héroïque. Il est dit, il en est parmi les hommes qui se vend lui-même, c'est-à-dire qui vend son âme, pour plaire à Dieu. Et Dieu est bon envers ses serviteurs. Donc c'est un verset qui a été révélé pour l'imam Ali à ce moment-là. Donc maintenant, on va parler d'un autre événement majeur qui aura eu lieu dans la vie de l'imam Ali, sur lui la paix. C'est celui de son mariage. Alors, est-ce que tu peux nous dire avec qui est-ce qu'il s'est marié et puis comment s'est déroulée un petit peu
cette festivité. Donc, par rapport donc, au mariage de l'imam Ali, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une phrase qui est restée très célèbre. C'est la suivante, c'est pour répondre à ta question. Le prophète, sur la grâce à paix, a dit, si Fatima, en fait, plutôt, si Ali n'avait pas existé, en fait, personne n'aurait été digne de se marier avec Fatima. Fatima étant la fille, en fait, du saint prophète. Et comme on sait dans l'histoire, beaucoup de gens voulaient se marier avec Fatima. Fatima, la fille du prophète, qui est considérée comme la plus grande femme de l'humanité. C'est-à-dire la maîtresse des femmes de toute l'histoire. Donc, juste après elle, on a Marie, la mère de Jésus. On a aussi Khadija, la femme du prophète. Et on a Asia. Ce sont les quatre grandes femmes de l'humanité. Et finalement, donc, Fatima avait un grand nombre de prétendants au mariage. Et le prophète va unir Fatima, sa fille, au plus pauvre de tous ces prétendants-là, c'est-à-dire l'imam Ali. Et comme on le sait, il va y avoir donc des cérémonies de mariage d'une très grande simplicité, mais avec une très grande bénédiction du saint prophète. Et donc effectivement, son mariage est très intéressant à étudier. Parce que d'ailleurs, excuse-moi de te couper, d'ailleurs, c'est le mariage par définition, enfin c'est plutôt le modèle de mariage par définition qu'il faut suivre pour les musulmans. Exactement. Donc avec une simplicité dans les cérémonies, sans aucune extravagance. Avec donc vraiment, je vous invite à regarder en détail comment est-ce que le prophète, sur les grâces à paix, a marié sa sainte et bénite fille Fatima avec l'imam Ali. Donc on sait que ils font partie donc des Ahlul Bayt, les gens dont Dieu a dit qu'ils avaient purifié de toute souillure, de tout péché. Donc ce sont les cinq personnes. Donc le prophète, Fatima, sa fille Ali, son cousin. Et leurs deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. D'accord, très bien. Donc, on vous invite vraiment à aller dans le détail pour savoir à quel point le mariage en islam est non seulement sacré, mais doit être également le plus simple possible pour ne pas que ce soit un frein aux demandes de mariage. Et donc, maintenant, on va parler de toute autre chose, hein, mais toujours concernant la vie de ce très grand homme, sur lui la paix, à savoir son rôle dans toutes les batailles qu'il va y avoir, donc, que les musulmans vont mener, et surtout au départ, hein, ça va être des batailles défensives, et justement l'imam Ali, sur lui la paix, aura un grand rôle dans ces batailles. Alors quel est ce rôle et comment est-ce que ça va se manifester? En fait, effectivement, la première bataille de l'islam, c'est la bataille qu'on appelle la bataille de Badr. La bataille de Badr, donc, ce sont les Mécois, donc les idolâtres, qui voulaient donc mettre fin à l'idéologie donc islamique, à l'islam en général. À cette religion naissante. Voilà. Et donc, ils vont décider d'attaquer le prophète. Le prophète va être bien obligé de se défendre. Donc, il va constituer une armée qui sera extrêmement plus faible que leur ennemi. Ils n'auront quasiment aucun moyen, alors que leurs ennemis vont être dotés d'armes vraiment extrêmement sophistiquées pour l'époque, et avec une cavalerie, etc. Donc, ils vont être en infériorité numérique, en infériorité matérielle. Mais dans cette bataille-là, les musulmans vont faire preuve de bravoure, de courage, et donc vont être, bien sûr, aidés par les anges. Donc, on sait que le prophète, sur la grâce à paix, a jeté une poignée de sable en direction de ses ennemis, et chaque grain de sable s'est transformé, finalement, en ange. Et les ennemis étaient vraiment, ont vu, finalement, que la religion musulmane était la vérité, puisqu'ils ont vu qu'en étant vraiment en supériorité numérique, ils n'ont pas pu mettre fin à des gens qui, en plus, étaient pour la plupart des personnes âgées. Ils étaient obligés de se teindre les cheveux pour faire peur à leur ennemi, qu'ils n'étaient pas âgés. Donc, en fait, dans cette bataille, une personne va finalement montrer des prouesses un peu extraordinaires, c'est l'imam Ali. Alors, pour résumer, l'imam Ali va, au cours de cette bataille, donc il va y participer, il sera très jeune, hein. L'imam Ali ne sera pas aussi vieux qu'on le croit. Et donc il va tuer, l'histoire raconte, pas moins de 16. Donc les historiens avancent le chiffre de certains 16 et certains autres 36. 36 dans des livres sérieux. Il va tuer 36 combattants parmi les plus braves et les plus éminents de l'armée de Quraysh. Donc c'était des idolâtres, c'était des gens vraiment cruels qui se battaient pour leurs idoles. Qui étaient vraiment des gens, entre guillemets, forts.
D'accord. Donc, on va peut-être parler peut-être assez rapidement pour pouvoir aller au bout de ce qu'on veut vous proposer, pardon. Et peut-être aussi parler très rapidement d'autres batailles où le rôle de l'imam Ali a été déterminant. Eh bien, en fait, donc à la bataille de Badr, comme on l'a vu, les musulmans vont infliger une lourde humiliation à leurs ennemis, une grosse défaite pour leurs ennemis. Donc, leurs ennemis ne vont pas s'arrêter là. Ils vont vouloir se venger, ils vont avoir un grand sentiment de rancune, et ce qui va se traduire par une bataille dans l'islam, dans l'histoire, donc qui est la bataille d'Uhud. Donc la bataille d'Uhud, et bon, elle est particulière cette bataille parce que le prophète va être blessé, et grâce au courage de l'imam Ali, le prophète va être protégé. Parce que lors de cette bataille, donc, certains n'ont pas suivi les directives du Saint-Prophète. Et donc, ce qui a créé vis-à-vis de l'ennemi une possibilité de faire des dégâts. Donc, finalement, l'imam Ali va être, dans cette bataille-là, un élément, encore une fois, décisif. Et il va être aidé par l'ange Gabriel, l'imam Ali. Donc, ça, c'est dans l'histoire de Tabari, etc. Et donc, l'imam Ali va avoir... comme on raconte, 16 blessures, dont 4 si sérieuses qu'elles faillirent causer sa chute de son cheval. Et donc, mais à chaque fois qu'il tombait de son cheval, il y avait donc l'ange qui le remettait en place et qui lui disait « Continue à te battre, ô héros, Dieu et son prophète apprécient tes services. » Et donc voilà, et donc le prophète va dire par la suite à Gabriel « Rien d'étonnant, Ali vient de moi, je viens de lui. » C'est-à-dire que chacun de nous est une partie d'une seule et même lumière céleste. D'accord ? Donc d'accord. Voilà comment l'imam Ali a été, comment on l'a rendu ses hommages, et qu'est-ce qu'il a apporté finalement. D'accord, pendant toutes ces batailles. Donc on va maintenant arriver à la fin de cette émission spéciale sur l'imam Ali, et parler aussi d'une période difficile pour les musulmans, à savoir celle de la mort du prophète, sur la grâce et la paix. Donc où va se trouver l'imam Ali, sur la paix, quand le prophète de l'islam va mourir, et qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il sera éloigné ? Est-ce qu'il va s'occuper de toutes les cérémonies funèbres ? Comment ça se passe ? Donc en fait, le prophète meurt, effectivement, et les gens, les compagnons qui sont autour, d'une part, devaient être, donc ils étaient envoyés dans une bataille contre les ennemis, donc contre les Romains, donc ils vont refuser d'y participer, donc ce qui va mettre en colère le prophète, donc... Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les compagnons du prophète vont profiter du fait que le prophète est donc gravement malade, et va bientôt mourir, pour se réunir dans une tente qu'on appelle la Sarkifa Beni Sa'ada, des Beni Sa'ad. Bon, bref. Donc, ils vont là-bas essayer de voir comment trouver une solution pour la succession. Et pendant ce temps-là, l'imam Ali va être aux côtés du prophète, va donc... être fidèle à lui jusqu'au dernier souffle, et donc va lui-même participer donc à son lavage rituel et à son enterrement. Donc c'est l'imam Ali et quelques-uns de sa famille qui vont être là. Et donc personne ne pouvait effectuer cela, si ce n'est son successeur. D'accord. Donc en fait, c'est la prédiction du début de vie de l'imam Ali, sur la paix, qui se retrouve qui se réalise. Quelques dizaines d'années plus tard. Quelques 30 ans après.